Bonjour tout le monde et bienvenue sur Alphorm. Donc pour la partie protocole RIP, donc on va commencer ce module avec cette première partie, donc introduction et fonctionnement du protocole RIP. Alors donc pour le plan de cette vidéo, on va commencer par des généralités. Ensuite, on va passer à la mécanique de fonctionnement. Donc on va parler du fonctionnement du protocole RIP. Alors RIP déjà qui veut dire Routing Information Protocol. Donc c'est vraiment un ancien protocole, donc parmi les premiers protocoles qui sont développés pour le routage. Donc Routing Information Protocol est un protocole standard. Donc ils ont commencé avec la version 1. Donc c'est un protocole vecteur de distance et c'est un protocole qui est standard, ça veut dire qu'il n'est pas propriétaire à Cisco. Donc vecteur distance, comme on l'a déjà vu, il y a trois familles de protocoles de routage. Donc il y a les protocoles vecteur distance, il y a les protocoles état de lien et les protocoles advanced vecteur distance. Donc l'exemple, le meilleur exemple qu'on peut citer pour cette famille, c'est le protocole RIP. Après, il y a aussi le protocole IGRP qui est propriétaire à Cisco et qui a été encore développé plus que ça avec le protocole EIGRP. Et d'ailleurs, qui fait partie d'une autre famille de protocoles qui sont les Advanced Vecteurs de Distance. Alors, donc, c'est un protocole qui est standard. Ça veut dire qu'on peut le configurer entre un routeur Cisco et un routeur non Cisco. Donc, on peut considérer ça comme étant un avantage par rapport aux protocoles qui sont propriétaires à Cisco. Donc, l'algorithme qui est utilisé, donc là, ça reste dans les choses théoriques qui ne nous intéressent pas trop puisque c'est des choses pour lesquelles on ne va pas toucher. Donc l'algorithme qui est utilisé pour le protocole RIP, c'est l'algorithme Bellman-Ford. Donc c'est la personne, c'est le nom de la personne qui a développé cet algorithme. Alors la distance administrative, donc comme pour chaque protocole de routage, on a une valeur de distance administrative. La valeur par défaut pour le protocole RIP, c'est le 120. Donc par défaut, pourquoi? Parce que c'est une valeur qu'on peut changer. Donc ça, c'est les valeurs comme le 90 par exemple pour le protocole EIGRP. Donc on a toujours une valeur par défaut comme de distance administrative pour chaque protocole. La métrique, alors là c'est important. Donc la métrique qui est utilisée pour calculer les chemins ou bien les meilleurs chemins pour le protocole RIP, c'est le nombre de sauts. Donc là c'est très classique, ça va être un entier entre le 1 et le maximum c'est 15. Ça veut dire que la métrique pour le protocole RIP, ça va être une valeur inclue ou bien entre le 1 jusqu'à 15 maximum. Donc on ne peut pas y avoir une valeur de métrique supérieure à 15. On ne peut pas y avoir la valeur 16 ou 17 ou 18. D'accord? Donc ça va être toujours une valeur à partir du 1 jusqu'au 15 maximum. Pourquoi? Donc cette valeur, c'est le nombre de sauts. Donc on va faire juste un petit exemple. Supposons que j'ai, on va dire, 4 routeurs comme ça. Donc derrière chaque routeur, on a deux réseaux. Donc j'ai ici deux réseaux, le réseau 1 et le réseau 2. Ici, par exemple, on a le réseau 3 et le réseau 4. Donc au début, initialement, le routeur 1, donc au niveau de sa table de routage, il a quoi comme réseau? Donc on va dire le routeur 1, le routeur 2, le routeur 3 et le routeur 4. Donc on va donner aussi des identifiants pour les réseaux qui sont entre les routeurs. Ici, par exemple, on va donner le 5, c'est le réseau numéro 5. Là, c'est le réseau numéro 6 et c'est le réseau numéro 7. Donc, au niveau de la table de routage du premier routeur, donc son protocole de routage, il connaît quoi comme réseau? Donc, au niveau de sa table de routage, on va trouver le réseau 1, 2 et le réseau 5. Donc il connaît les trois réseaux qui sont directement connectés. Ici, par exemple, au niveau du routeur R2, on connaît le réseau. Donc il y a juste deux réseaux qui sont directement connectés. Ça veut dire qu'il connaît le réseau 5 et le réseau 6. Ici, au niveau du routeur R3, donc je connais le réseau 6 et le réseau 7. Au niveau du routeur R4, donc là, on connaît par contre trois réseaux par défaut. Donc il y a le réseau 3, il y a le réseau 4, il y a le réseau 7. Donc après la configuration du RIP, les routeurs, ils vont s'échanger toutes leurs tables de routage. Donc chaque paire de routeurs qui va s'échanger les deux tables de routage. Donc là par exemple le R1, le R2,
il va apprendre quoi au R1? Donc, il va lui apprendre le réseau 6, puisque initialement, le routeur R1, il connaît le réseau 1, 2 et 5. Donc, après l'envoi de la table de routage du R2 vers R1, il va rajouter ici le 6. Et pareil, donc le R1 qui va envoyer sa table de routage au R2. Le R2, qu'est-ce qu'il va apprendre de R1? Il va apprendre le réseau 1 et 2, puisque le réseau 5, il le connaît déjà. Donc, pareil, donc il va commencer à remplir sa table de routage. Le routeur R2, il va envoyer toute sa table de routage au routeur R3. Donc R3, il va apprendre tous les réseaux qui sont derrière le routeur R2. Le R3, il annonce la même chose au routeur R4. Donc au final, donc après quelques secondes, on va trouver tous les réseaux au niveau de tous les routeurs. Donc le principe de fonctionnement du protocole RIP, c'est l'échange de la table de routage entre les deux routeurs, ou bien entre chaque paire de routeurs. Donc ça c'est bien, donc ça c'est l'avantage, c'est qu'au final, au niveau de chaque routeur, on peut trouver tous les réseaux, mais l'inconvénient c'est qu'on va consommer de la bande passante puisque cet échange va continuer à se faire chaque, donc là c'est important, chaque 30 secondes. Alors imaginez, donc là par exemple ici, on a quelques réseaux, on a trois ou quatre réseaux, mais imaginez que cette table, donc on va dire une centaine de routes, et cette table, elle va être envoyée chaque 30 secondes. Ça veut dire qu'on va consommer énormément de bande passante entre les routeurs. Donc ça, c'est parmi les inconvénients du protocole RIP. Donc l'avantage, ça fonctionne comme tout protocole de routage. Donc on va y avoir une table de routage au niveau de nos routeurs. Donc ça, c'est bien. Ça veut dire qu'on arrivera à joindre tous les réseaux, mais il faut savoir que l'échange des tables de routage va se faire toutes les 30 secondes entre les deux routeurs, ce qui va consommer de la bande passante. Alors, toujours dans la mécanique de fonctionnement du protocole RIP, donc il y a des choses qui sont intégrées dans l'algorithme de telle sorte pour éviter les boucles. Donc, parmi les problèmes du protocole RIP, c'est les boucles qui peuvent être générées entre chaque deux routeurs. Donc pour éviter cela, donc il y a des solutions qui sont implémentées et nous on n'a rien à configurer, d'accord? Donc ça c'est des choses qui viennent par défaut. Juste c'est bien de comprendre. La première solution pour éviter les boucles, ça s'appelle le split horizon. Split horizon, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un routeur ne va jamais annoncer une route qu'il a après d'une même interface. Alors j'explique. Donc si je prends par exemple, je prends trois routeurs. Supposons que ce routeur, il m'a appris un réseau, par exemple le réseau Y. Donc il vient de m'apprendre un réseau Y. Donc avec cette règle, le routeur ne va jamais renvoyer une information qui concerne le réseau Y. D'accord? Donc tout ça, c'est pour éviter les boucles. Donc si je reçois une information de routage par rapport à un réseau, je vais jamais la renvoyer à travers la même interface. Je peux la renvoyer, par exemple, à travers cette interface, ou bien à travers cette interface, mais jamais la renvoyer via la même interface. Donc c'est ça le split horizon. Alors, le route poisoning, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si un routeur vient d'apprendre un réseau avec la métrique 15, par exemple, donc au niveau de ce routeur, donc via cette interface, je viens d'apprendre un réseau avec la métrique 15, le routeur donc ne va jamais transférer cette information à ses voisins. Peut-être il a même d'autres voisins ici avec le protocole RIP. Donc il va jamais transférer cette même information qu'il a reçue avec la métrique 15. Donc il va dropper cette information de routage. Donc le réseau ne va pas être annoncé aux voisins avec la métrique 16, mais plutôt il va la mettre ici avec une métrique infinie. Ça veut dire que le réseau n'est pas joignable et il ne peut pas l'annoncer à ses voisins. Donc tout ça, c'est pour éviter de dépasser les 15 sauts. Donc comme on l'a dit ici, le nombre maximum, c'est 15 sauts. Donc c'est un entier. La métrique, elle est très très simple et très très claire pour le protocole RIP, ce qui n'est pas le cas pour les autres protocoles comme l'OSPF ou bien comme le protocole UIJRP. Voilà, donc on arrive à la fin de cette vidéo, cette première vidéo pour le protocole RIP. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que le protocole RIP est un protocole vecteur distance.
Donc c'est un protocole qui est standard, qui n'est pas propriétaire à Cisco. Donc la métrique pour le protocole RIP, c'est le nombre de sauts, ça veut dire le nombre de passages sur les routeurs. Et si par exemple, à partir du réseau X vers le routeur, vers ce routeur, donc le nombre de sauts c'est combien? C'est 2. Ça veut dire qu'on doit passer par deux routeurs pour arriver à notre destination finale. Donc c'est le nombre de routeurs par lesquels on doit passer pour arriver à la destination finale. La distance administrative, donc il faut toujours garder ça en tête. Donc il y a souvent des questions pour l'examen CCNA qui parlent de la valeur par défaut de la distance administrative pour le protocole RIP. Donc c'est 120. Donc par défaut, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut changer cette valeur. Alors, donc on a parlé aussi de l'algorithme qui est utilisé pour le protocole RIP. Donc c'est le protocole, c'est l'algorithme Bellman-Ford. Qu'est-ce qu'on a vu aussi? Donc on a vu les deux techniques qui permettent d'éviter les boucles, donc le split horizon et le route poisoning. Voilà, donc je vous remercie de m'avoir suivi et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. On va parler des différentes versions du protocole RIP et on va comparer entre toutes ces versions de protocole RIP. Donc je vous dis à tout de suite.